Il y a une participation que tu revendiques aussi dans cette série conduite par Florian Essig sur une chaîne étudiante, et c'est l'objet d'un DVD. Le principe original, c'est un conducteur de VTC, donc ces taxis un peu marginaux, qui charge des clients célèbres, dont toi, et puis dont, si on le voit sur ce DVD, Pascal Légitimus ou Smaïn. Jean-Marie Bigard, etc. Donc Voilà. son concept est très drôle. C'est un VTC en fait qui ne démarre jamais, puisqu'il est toujours en bisbille avec la personnalité Qui qui charge. arrive. Alors pour la personnalité, soit la personnalité arrive escalité, par exemple Jean-Pierre Mocky, il a reçu Jean-Pierre Mocky qui disait moteur tout le temps, hein, et autrement, moi il m'a Pour que fait ça jouer. démarre. Voilà, ça démarre et ça ne démarre jamais. Et donc les textes sont très très drôles. Moi il m'a fait jouer le rôle d'un écrivain, d'un auteur très content de lui, prétentieux, con comme un balai. Donc ça m'allait très bien. Et c'est une série très Bon rôle de rigolote. composition. Merci beaucoup, Philippe Chevalier. Merci Yves. Ah, décidément, c'est pas ma journée aujourd'hui. Hein. Tous plus idiots les uns que les autres. Je vous entends, vous savez. Hein. Et puis vous croyez quoi? Vous êtes le seul à savoir faire des belles phrases. Hein. Moi aussi, je peux le faire, figurez-vous. Ben, je vous en prie, laissez libre cours à votre instinct créatif. À quoi? Oh, rien, laissez tomber. Vous savez ce que disait le grand Sacha Guitry? Puis c'est celui-là. Oh, ce serait trop long à vous expliquer. Mais il disait qu'on peut faire semblant d'être grave, mais que l'on ne peut pas feindre d'avoir de l'esprit. Et je crois que ça vous correspond totalement.